Pour apporter une petite contribution, j'ai sollicité le groupe Bastide Médical qui m'a répondu très favorablement et auquel je les remercie et qui nous ont permis de collecter 48 kilos de matériel médical qui vont partir pour les civils en Ukraine. Alors merci Delphine et merci à tous les Gardois qui ont répondu présents, que vous soyez simple citoyen, que vous soyez professionnel, que vous soyez entreprise. Notre collecte lancée il y a une semaine a connu un vif succès sur l'ensemble des centres de secours du département. Nous sommes donc obligés de revoir le timing de notre collecte et alors qu'elle était initialement prévue de durer jusqu'au samedi 12 mars, nous avons décidé de la stopper à compter de demain soir, fin de journée. Donc jeudi 10 mars, la collecte des sapeurs-pompiers du Gard va s'arrêter. Elle s'arrête temporairement parce que nous avons besoin de collecter, de rassembler l'ensemble des dons sur Nîmes et de nous projeter maintenant vers l'acheminement par convoi vers l'Ukraine. Pour cela, nous allons nous inscrire dans la démarche lancée désormais par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Ce convoi va être très rapidement organisé avec les moyens des sapeurs-pompiers du Gard, mais aussi d'autres partenaires, de manière à acheminer au plus tôt tous les dons qui ont été collectés dans l'ensemble des casernes. Alors encore une fois, mille merci pour votre générosité et bien entendu, les sapeurs-pompiers du Gard n'hésiteront pas à se mobiliser à nouveau. Si malheureusement, comme on peut le craindre, cette crise s'installe dans la durée, nous relancerons des collectes, soit de ce type, soit d'un ordre différent. Merci encore.